Bonjour à tous. Alors, oui, déjà ça commence bien. Alors, nous sommes sur la bêta, la open bêta de Jump Force. Voilà, c'est une petite avant-première pour eux. Voir par rapport s'il y a des bugs ou des problèmes avec le jeu. Donc, voilà pour l'essai de cette bêta, open bêta. Alors, le mois prochain, je serai sur l'officiel. Pour l'instant, c'est la open beta. Nous allons tenter ça. Alors ça, c'est mon perso, voilà, que j'ai fait directement au début. C'est un mélange assez spécial. Alors, combat en ligne. Donc ça va pas servir vu que c'est une open beta. Pour l'instant, le mode en ligne n'est pas ouvert. Il y a certains horaires, donc je vous conseille d'aller sur le site de Bandai Namcom pour savoir les horaires. Ouverture du mode en ligne. Voilà. Donc pour l'instant, ah, il y a Naruto. Coucou Naruto. Voilà. Alors là, j'ai trouvé Naruto. Je sais pas si je vais trouver les autres. Ah, il y a des missions. Ok. Bon, là, il y a Naruto déjà. C'est déjà pas mal. Bon, les combats en ligne, c'est pas pour le moment, comme j'ai dit. Alors là, nous avons quoi? Des boutiques, comme vous pouvez voir. Ah, Yusuke. Alors pour ceux qui sont fans de manga. Voilà, Yusuke. J'ai trouvé un deuxième. J'ai trouvé Naruto tout à l'heure. Là, il y a les boutiques. Alors, premium et boutique normale. On va aller faire un tour, t'es. Voir ce que ça donne la boutique. Comment on rentre dans la boutique? Ah. Donc, la boutique n'est pas disponible. Vous voyez, cette fonctionnalité est indisponible pendant le test bêta. Attendez la sortie finale. Donc, voilà. C'est mieux que rien, on voit déjà ce que donne le jeu. Alors là, il y a un clan. Je pense que c'est pareil. Faut le jeu complet. Voilà. Pour l'instant, bon. C'est déjà pas mal, on voit ce qu'il donne. Hein. Là, c'est les combats en ligne au milieu. Ah, ça me fait penser un peu à Dragon Ball Xenoverse 1 ou 2. Ah, j'ai trouvé encore Naruto. D'accord. Il y a des événements, tout ça. Bon, pour l'instant, on peut voir ce que... Ah, on peut peut-être parler à Naruto. On va essayer. Sympa, hein? Ok. Bon, Naruto a l'air vachement content de me voir. D'accord, les événements n'y sont pas encore. Normal. Hein, sur une bêta, on va pas tout s'offrir sur un plateau. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ah, il y a Sasuke apparemment en haut. J'ai pas vu. Ah, là aussi, il y a un personnage. Gon. Ah, Hunter x Hunter. Salut. Ah, qu'est-ce qu'il veut me dire, lui? Yo, je m'appelle Gon. Je suis un Hunter professionnel. Ok, content de te raconter. Te rencontrer. Ouais. Bon. Nous allons monter là-haut. Ah, Yaseya, les chevaliers du zodiaque. Je viens de le trouver. Ah, il est excellent le personnage. Rien que ça, j'ai envie de voir comment il est fait. Oh, Senseiya des chevaliers du zodiaque. Ah, mais il est énorme. Regardez-moi ça. Senseiya des chevaliers du zodiaque. Ouais, il a l'air excellent ce jeu en fait. Hein. Vraiment, j'attends la sortie officielle. Hein. J'ai la bave qui coule le long de mes lèvres tellement que j'attends la sortie officielle. Je me dis, ce jeu-là, t'as intérêt d'arriver aussi vite que t'es là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Parce que apparemment... Ah non, on passe à travers, ok. Merci pour le créateur du jeu, je pensais qu'on aurait pu se mettre dessus. Alors là, il y a des missions, je sais pas si elles sont ouvertes. C'était qui à côté Gon? Non, les missions ne sont pas ouvertes, je crois. Non, non plus. Est-ce qu'il y a des combats hors ligne? Ça serait bien que les combats en ligne. Justement, pour tester les combats, ça serait pas mal. Parce que combat en ligne, ça marchera pas. Ok. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait Sasuke, mais je sais pas où il est. Je sais pas dans quel côté ils l'ont mis. Ah, il y a Vegeta en bas. Putain, on va aller le voir. On va dire coucou à Vegeta. Voilà Vegeta pour les fans de Dragon Ball Z. Il est pas beau notre Vegeta. Hop, 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 hop. On va se balader encore, on va trouver d'autres persos. Bon là je l'avais regardé tout à l'heure, c'est Yusuke. On va changer un peu, on va essayer de trouver d'autres personnages. Là il y a Seiya des chevaliers du Zodiac. Voilà, je le remontre encore une fois. Magnifique hein. Ah, il y a Luffy.
On va lui dire bonjour. Voilà, Luffy de One Piece. Ah, il a l'air en forme lui. Tiens, on va lui parler. Ok, je te garde la viande, mon gars. Sympa. Donc, je pense pas que tous les persos soient sur la carte au début, mais bon, il y en a déjà pas mal. On a vu Naruto, on a vu Vegeta, on a vu. C'est qui que j'ai vu aussi? Seiya des Chevaliers du Zodiaque. On a vu Gon de Hunter x Hunter. Par contre, je sais pas où est. Là, en bas, vous voyez, il y a Vegeta là-bas. J'étais le voir tout à l'heure. Par contre, je sais pas où sont les autres persos. Je sais pas si on peut monter plus haut. Non, il n'y a pas de perso ici. Pourtant, j'ai vu Sasuke tout à l'heure. Et je sais pas où ils l'ont mis, Sasuke. C'est ça le problème. Ah, attends. On m'aurait menti, il y a des passages par là. Ah, il y a Sangoku. Je l'ai trouvé. Le chef des chefs. Voilà, Sangoku. Eh, il est magnifique, hein, Sangoku. Ok. Merci, Sangoku. T'as la classe, mec. T'as la classe, t'as la classe. Par contre, moi, j'ai des chaussures de lutin. Bon, j'ai pris le mec qui m'a plu le plus dans le lot. Hein. T'as pas tous les choix parce que comme si c'était une open bêta, Mcom a mis en place pour voir s'il y a des bugs. Donc là vous voyez, là il y a Gon de Hunter x Hunter qui est là. Eh, il est petit lui. Mais il deviendra grand avec ses pouvoirs. Par contre, j'ai vu marquer Sasuke tout à l'heure. Là il y a Naruto et Vegeta. Voilà Naruto. Et voilà Vegeta. J'y ai pas parlé d'ailleurs à Vegeta. Ok, je ne veux rien de toi. Ou toi, bon. Écoute, hein. Rasuté. Ah, Yusuke. Yusuke. Voilà, je le remonte encore une fois. Ils sont classe les persos. Ah, il y a des marches par là. Il n'y aurait pas quelqu'un qui serait posé ou. Je fais tout le tour de la map, hein. Je suis curieux. Non, apparemment, il n'y a personne par ici. Là, il y a Sangoku, comme tout à l'heure. Bien sûr. Ah, mais attends. Eh, c'est qu'il y a du chemin quand même. Et on peut pas quitter cette zone avec une porte. Au moins pour visiter les maps. Ça serait sympa, quoi. Même si c'est qu'une open bêta. Parce que depuis tout à l'heure, je tourne en rond, je tourne en rond. Bon, ça, les combats en ligne, c'est pas disponible. Hein. On peut y aller, voilà. Combattre un adversaire contrôlé par l'ordi. Ah, bah si, on peut. Bon, bah, on va tenter ça. Allez, hop. Le mode en ligne, ça y est pas, mais on peut combattre des gens ordi, de l'ordi. Donc, c'est déjà pas mal. Ah ah. Ah oui, il y a du choix de personnage là. Oh là 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 là. Alors, on a Sangoku, Vegeta, Freezer, Luffy, Zoro, Marshall Detech, Naruto, Uzumaki. On va les remettre. Je vais vous présenter les personnages quand même. Luffy. Freezer, Vegeta, Sangoku, Kenshi Imura, Togoro, balèze le mec, hein. Yusuke Uramezi, Izuka Moro, Gon. Hunter x Hunter, bien sûr. Rukia Kunchiki. Ishigo, pardon. Kurosaki. Oh, Kenshiro, alias Ken, le survivant. Seiya de Pégase, chevalier du zodiaque. Ah, yes. Sasuke Uchiwa. Uchiwa. Bon, là, on l'a dit tout à l'heure. Naruto Uzumaki. Voilà. Alors, pour l'instant, il y a ces personnages-là. Bien sûr, vous pouvez avoir le personnage de Nikki, dans Nikki Larson, aussi. Voilà, donc là, on va essayer un de ces personnages. Et on va essayer Pégase. Je sais pas, j'ai envie de l'essayer. Et mon deuxième perso que je vais essayer, c'est Luffy. Et après, on va essayer Sangoku. Voilà. Voilà mon équipe. Ah, il faut que je choisisse 3 contre moi. Ok, l'ordi. Alors, qui c'est qu'on va choisir contre moi? Ken, je vais peut-être éviter pour le moment. On va mettre Zoro contre moi. Je pense qu'il est costaud aussi.
Vegeta. Et on va mettre. Allez, on va mettre Ichigo. Alors, vous allez avoir un combat de la Open Beta sur. Attends, on va mettre sur le terrain de Sangoku. C'est une Open Beta sur le jeu Jump Force. Alors, vous allez en prendre plein les yeux, ça c'est sûr. Je vous le dis tout de suite, hein, vous allez en prendre plein les yeux là. Ah, c'était mon rêve de le faire. J'ai réussi à faire ça. Donc voilà. Alors je vous explique. Pour moi, c'est parfait hein, de pouvoir vous montrer un bout de ce jeu. En tant que bêta-testeur pour l'instant. C'est une open bêta, donc tout le monde. Normalement, a accès à cette bêta. Mais par contre, là, c'est les modes contre l'ordi. Hein. C'est pas le mode online. Le mode online en ligne. On va parler normalement. Le mode en ligne, je vais y arriver. Comme débutera demain, je crois, de 13h à. Si je me trompe pas, c'est à partir de 13h jusqu'à 17h, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, ça sera demain après-midi. Mais pour l'instant, vous pouvez faire le mode contre l'ordi. C'est pas mal. Alors le combat, je pense qu'il va être bien serré là, je sais pas pourquoi. Oh le fils. Ah ouais, Seiya et Sangoku ensemble, ça déménage. Hein. Ah t'as pas eu assez toi? Oula, oula. Ah, j'ai surkiffé là. Ah, cette équipe de ouf. Sangoku, Senseiya et Luffy, le trio infernal. J'aurais préféré avoir aussi Naruto dedans, mais bon. Ah, quoique, après, je peux faire un Naruto à la place de Senseiya, mais bon. Pour l'instant, c'est pas mal. Le combat était super, quoi.
Alors, pour ceux qui veulent tester le mode hors en ligne, en ligne de Jump Force, bah c'est une open bêta qui est bien sûr ouverte, comme peut dire ce mot-là, une bêta ouverte. Et bah je vous conseille de le tester. Enfin, il est sympa. Moi, franchement, ouais, je kiffe bien. Pour ceux qui aiment les Dragon Ball Xenoverse 1 et 2, ils vont aimer ce jeu-là. C'est obligé. Franchement, allez, je vais relancer un combat pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, comme c'est précisé, il y a 17 personnages pour l'instant parce que c'est une open bêta. Voilà. Alors, on commence avec les persos. Alors, il y a le mien, bien sûr, que j'ai fait. Voilà. Sangoku. Vegeta. Freezer, Luffy, ah, Zoro, il est beau Zoro, Deitch, c'est One Piece ça je pense, Uzumaki Naruto, Sasuke, Seiya de Pégase, le chevalier du Zodiaque bien sûr, Kenshiro alias Ken, Ichigo de Bleach, Rukia, aussi la Yagon de Hunter x Hunter, Hisoka, Yusuke, Toguro, Kenshi, Imura. Voilà pour les persos. Alors du coup on va faire un nouveau, alors on va prendre Ichigo, on va prendre Naruto et on va prendre qui? Allez, on prend Sangoku avec. Et de l'autre côté, je vais faire un contre. Freezer, j'ai un peu peur là, je me dis, ça va être du costaud. Ouais, on va essayer contre lui. Pourquoi pas. Zoro, j'ai déjà fait. Tiens, on va mettre Sasuke. Et puis. Qui que je vais mettre? Allez, Hunter x Hunter, on sait jamais. Gone. Alors, on va prendre quel terrain là? New York. Planète Namek. Mexique. Hong Kong. Allez, New York. Alors là, ça va être Naruto contre Sasuke. J'aimerais bien voir ça, moi. Ça va être magnifique. Alors, les matchs, ok. De toute façon, les combats, on va essayer plusieurs. Hein. J'essaie tous les persos. J'ai encore Sangoku, bien sûr, que j'ai déjà fait. Mais là, je vais essayer Ichigo et Gon, je crois, de Hunter x Hunter, je crois que j'ai pris. Je sais plus. Non, il est contre moi, je crois. Enfin, ah, des petites astuces, c'est sympa, des fois aussi, ça peut aider. Ok. Alors le chargement, c'est normal qu'il soit un petit peu long avec des astuces, parce que c'est une open bêta, donc bêta ouverte. C'est pour ça que ça met un peu de temps. Là, c'est la discute pour l'instant. Round 1. Ah si. Bon. Désolé, j'étais occupé sur un truc. Il est où, lui? Ouais, je sais. Maze!
Rasengan. Ah oui. Rasenga, Kamehameha. Oh bah alors là, c'est KO, gars. Ah ouais, moi j'appelle ça un jeu extra excellent. Là, il n'y a pas à dire. Pour l'instant, j'y rencontre aucun bug. Bon, je suis pas au mode en ligne, mais pour l'instant, le mode qui n'est pas en ligne, hors ligne. Franchement, j'ai testé les combats. Moi, franchement, ça me plaît là. Là, je suis à fond là. Papapam. Ah, par contre, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, la chaîne officielle de Série 47. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les alertes des nouvelles vidéos qui peut être assez croustillant. D'ailleurs, bientôt vous aurez un live sur Kingdom Hearts 3. Ça arrive début février, fin janvier. Voilà. Pour ceux qui veulent croustiller un peu de voir ce que ça donne, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous à ma chaîne, sans problème. Et il va y avoir un live aussi sur le jeu iOS, c'est un petit jeu façon manga en version... comment je peux vous expliquer ça à la première personne. Donc il y aura un live dessus début février. Et bien sûr, ce week-end, je vais faire un live sur un jeu Capcom. D'ailleurs, je me rappelle plus du nom, faudrait que je regarde. Parce qu'il y en a. C'est pas Resident Evil 2, j'ai fait le live sur la démo, qui est déjà pas mal. Et puis, y aura sûrement un live pour la suite de Resident Evil 2. Mais pour l'instant, il y a un autre jeu. Ah, Sasuke, mais t'es là. Hop là! T'as encore des combats en réserve. J'ai envie d'essayer d'autres persos.
Lui, je sais pas ce qu'il donne comme perso. Ah non, attends, je sais qui c'est que je vais essayer. Lui, normalement, il doit être costaud, lui. Attends, de l'autre côté, on va faire une équipe de ouf. Alors, l'ordi, là, si je le bats, je suis fort. D'abord. Tu sais qui c'est que j'ai mis contre moi? Si je te dis une équipe de ouf. Regarde, hein. Eh. En face de moi, t'as Sangoku, Luffy et Naruto. Et moi, j'ai Ken, Freezer et Gon de Hunter, Hunter x Hunter. Bon, on verra bien ce que ça donne. J'ai voulu mettre du point en face pour changer tête. En tout cas, il est super ce jeu. Je pense que c'est ceux que on voit que c'est ceux qu'on fait Dragon Ball Xenoverse parce que le mode de jeu est exactement pareil au début, t'as la petite halle avec les combats en ligne et tout. Et tu peux avoir tes persos en ligne qui se baladent, c'est pas mal ça. Là, tu dois avoir des petites missions et tout, ça va être sympa. Quand j'aurai la version complète, je pourrai voir l'émission. Ah, c'est bien ça. Non, mais attends. Et mon Miken, direct. Reste zen sans Goku. Hey, Naruto, Sangoku et Luffy, quoi. Ils sont beaux tous les trois. Eh bien. Oh, sans Goku là. Reste zen mon gars. T'as assez chargé mon gars là. Oh raté. Et pourquoi il s'esquive? Ah. D'accord. Ah ouais quand même. Méchant Freezer, hein. Dieu.
Ah ouais, il est pas mal hein, quand même. Une bonne petite bêta là, c'est sympa. Ok. Si j'ai envie de refaire un combat en ligne, moi. S'il te plaît. Mettre lui. Qui que j'ai pas encore mis là-dedans? Lui je l'ai pas mis. Okay. On va voir ce que ça donne ces trois persos aussi. Que ça va péter, mais un truc de ouf. Avec l'équipe que j'ai, ça va partir en tonnerre. Bon. Ça va partir en tonnerre. Ok. Sympa les astuces. Et là, il est costaud là. Excellent. Il pique le caméra.
Allez, on va en profiter pour se recharger. Ça, c'est l'équipe de ouf, là. Les trois ont fait des attaques de ouf, là. C'était énorme. Yes. Oui. Bon, qui c'est que j'ai pas essayé? Ah, on l'a pas essayé, Vegeta. Je l'ai pas essayé lui. Je sais pas si je l'ai essayé direct ou après. Mais il y a tellement de persos que je sais plus quoi faire. Attends, on va essayer celui-là. Alors, contre qui on va se mettre? Voilà, pourquoi pas. On va tenter ça. Que fais-je? Je vais chez Sangoku alors que j'ai pas Sangoku, je crois. Ah si, il y a Vegeta. Bon, c'est planète Namek, c'est déjà pas mal. J'ai le casque qui me fait mal dans les oreilles. Ah, mon triton est... Faut que je rétrécis mes oreilles peut-être. Un objet s'est rendu l'âme. Ah, je sais ce que c'est l'objet en question. Non, non, pas du tout. C'est pas Tovin, c'est... Ouais. Eh, je m'en sers même plus ce truc-là. Détente en tant que ça charge. Quoi, c'est ça? C'est un Hunt Sniper? Non, c'est le mien, celui-là. Enfin, c'était... Oui. On s'amusait à faire ça. Enfin, bref, le combat est lancé. Ah oui, parce que oui, d'accord, je vois à qui il parle, Vegeta. C'est pas bien, Vegeta.
Ah, rien fait là. Elle est un peu trop loin là. やるようだがまだまだだな。腕を上げて出直してこい。 Sympa. Par contre, j'ai pas vu les autres, c'est ça qui est dommage. Quand t'en tues un, ils auraient pu changer de perso contre moi. Oh, j'ai pris une équipe un peu mélangée parce qu'il y en a que j'ai pas fait. Et vu que j'ai fait les persos les plus connus, maintenant on va faire les persos les moins.
J'ai testé Luffy, j'ai testé Son Goku, j'ai testé Naruto, j'ai testé Ken. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas Nicky Larson dans l'open bêta. J'aurais bien voulu voir ce qu'il donne lui. Bon, il y a 17 persos sur la totalité, il y en a encore plus, hein. Ils sont pas tous là. Bon. Sur ce, bah, je vais vous dire aussi ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne YouTube, la chaîne officielle Cédric47, et cliquer sur la petite cloche pour les alertes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Voilà.
Il y a un problème entre la boucle et Voilà. Ah, il était sympa ce petit jeu quand même. Ah, tiens, on va refaire un combat. Tellement sympa que ça me donne envie d'en faire un petit dernier pour la route. Alors, qui c'est que je vais choisir du coup? Parce qu'il y a tellement de combattants. Ah, il y en a 17. Bon, c'est une open bêta, mais bon. Déjà d'avoir 17 personnages. Alors, tiens, je vais tenter lui. Avec Luffy. Et avec Ken. Je sais pas pourquoi j'ai choisi Ken, mais bon. Voilà. À se mettre à la hauteur. Ça peut toujours servir. Une belle panoplie là. Allez. Que j'en fasse un dernier pour la route, s'il vous plaît. Parce qu'après, c'est l'heure d'aller grignoter. Et ouais. Je souhaite une bonne appétit à tous ceux qui regardent. Parce que je vois qu'il est midi. Moi aussi, je vais pas tarder à aller casser la croûte, comment dire. Donc voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne officielle Cédric47, ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous aussi, si vous voulez, à la chaîne Twitch. Ça me fera autant plaisir l'une comme l'autre des deux chaînes. Et n'oubliez pas aussi sur YouTube, il y a une petite cloche. Vous cliquez si vous voulez recevoir les alertes des prochaines vidéos qui seront mises. Alors actuellement, il y en a quelques-unes qui sont posées. Enfin, quelques-unes. Il y a pas mal de lives que j'avais fait avant sur certains jeux. Voilà. Donc profitez-en pour aller les voir. Et puis si vous continuez à suivre le live, là il se termine après ce combat. Je finis ce combat là et je referai un live ce soir sur Jump Force. Là pour l'instant, c'était mon premier live. Il y aura un deuxième live ce soir. Désolé. Ah non. Ah oui, ça fait mal là.
Et voilà pour le dernier combat sur la Open Beta de Jump Force. Nous nous retrouverons ce soir sur les coups de 21h pour un deuxième live sur l'Open Beta de Jump Force. Alors j'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve ce soir et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne officielle Cédric47 sur YouTube et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne Twitch de Cédric47 qui est moi bien sûr et n'oubliez pas aussi mon Twitter Cédric47, mon Twitter XboxNewsFR qui est le Twitter de mon site XboxNewsFR et n'oubliez pas aussi la page Facebook XboxNewsFR. Suivez cette page, elle est hyper sympathique avec plein de monde qui entoure XboxNewsFR, bien sûr qui est moi le fondateur et éditeur de ce site et de la page Facebook. Bien sûr, autour de moi, il y a d'autres personnes qui travaillent sur cette page. Donc, vous ferez les connaissances sur cette page. Et bien sûr, pour tous, on se retrouve ce soir pour un deuxième live sur Jump Force, l'Open Beta. Allez, sur ce, à tous, à ce soir. Ciao, ciao. Hold up.